Chaque année, les 200 000 bénévoles du Souvenir français entretiennent et fleurissent les tombes de 130 000 soldats de toutes confessions morts pour la France. Ils se mobilisent également pour récolter des fonds pour rendre leur action possible. Ils contribuent ainsi à ce qu'aucun de ceux qui ont donné leur vie pour nous tous ne tombe dans l'oubli. Pour honorer leur mémoire, pour qu'ils ne soient pas morts en vain, le souvenir doit être transmis de génération en génération. C'est la mission du Souvenir français. En 1887, François-Xavier Nyssen crée le Souvenir français. De 1887 à nos jours, les bénévoles de cette association n'ont de cesse de transmettre, en France et à l'étranger, le souvenir lors de cérémonies commémorant les grands événements, ainsi que les valeurs chères au Souvenir français. La mémoire, la solidarité, le patriotisme, la transmission, le respect des valeurs de la République et l'engagement. Le Souvenir français est une association reconnue d'utilité publique, placée sous le haut patronage du président de la République. Elle observe la plus stricte neutralité, politique, syndicale, confessionnelle ou philosophique. Ses missions principales sont la sauvegarde et l'entretien des tombes et monuments, la commémoration et les cérémonies du souvenir et la transmission à travers des interventions pédagogiques dans les écoles notamment. Tout au long de son histoire, le Souvenir français a pu compter sur les soutiens du plus grand nombre, parmi lesquels le maréchal Lyautey, le maréchal Ferdinand Foch, Louis Madelin, le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque, Yvonne de Gaulle, le général de Gaulle, ainsi que tous les présidents de la République jusqu'à aujourd'hui. Ces bénévoles sont répartis dans tous les départements de France et dans le monde entier. Ils partagent les mêmes valeurs. Tout le monde peut adhérer. Adhérer au Souvenir français, c'est entretenir la flamme du souvenir et faire perdurer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. En ces temps de paix fragile, le Souvenir français a plus que jamais besoin de vous. Pour ne pas oublier ceux qui sont morts pour notre nation, pour dire notre gratitude à celles et ceux qui nous protègent au quotidien, rejoignez le Souvenir français. Thank you.